Les amis, bonjour, installez-vous confortablement, vous le savez, régulièrement, ici même sur la chaîne, j'aime bien vous faire découvrir des petites pépites, des titres qui sortent du lot et qui peuvent être soit ultra singuliers, originaux, soit de véritables claques visuelles. Eh bien, c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui très clairement avec un jeu qui s'appelle Chrono Odyssey, deuxième titre du studio coréen N-Pixel, après Grand Saga, un jeu qui est en développement depuis 2018 maintenant, qui s'était dévoilé avec une séquence en image de synthèse il y a 2 ans de cela maintenant, mais là, on a le gameplay. Ça tourne sous Unreal Engine 5, et franchement, vous allez voir, qu'il s'agisse de la direction artistique ou de la technologie pure, c'est tout simplement ahurissant. Alors, je vous propose de découvrir le trailer en intégralité, en immersion, et ensuite, je reviens avec pas mal d'informations pour décrypter tout ça. Mais alors vraiment, asseyez-vous confortablement, parce que ça envoie du lourd, du très très lourd. C'est parti. Les amis, mais quelle claque hallucinante! Chrono Odyssey. L'Odyssée,
temporel, quelque part, et vous allez voir, hein, c'est pas du tout anodin hein, qu'on entende le tic-tac, tic-tac, tic-tac tout au long de la vidéo, c'est pas du tout anodin qu'il y ait ce petit montre gousset. Bref, vous l'avez compris, c'est un titre qui sort sur PC, sur console nouvelle génération, PS5, Xbox Series, et c'est vraiment un titre dont je trouve, mais regardez-moi ces images. Là, vraiment, oui, ok, on sent la nouvelle génération de graphisme. Alors, de quoi s'agit-il véritablement? Je vous l'ai dit, hein, maintenant on va rentrer dans les informations, dans les détails, plein de choses que je peux vous donner. Alors, déjà, je vous le disais en ouverture, c'est un développement qui a commencé en 2018. Donc ça fait près de 5 ans hein, quand même qu'ils sont déjà à l'œuvre de SLU. Et le pitch, le voici. Dans le monde de Cetera, la mystérieuse puissance du Chronotector détient la clé qui débloquera tout le potentiel de votre aventure. En explorant l'univers du jeu, vous comprendrez peu à peu l'importance symbolique de Chrono, une force qui ne sert pas que le scénario, mais qui joue aussi un rôle essentiel dans les combats et la progression. En manipulant le temps et l'espace, vous pourrez arrêter le temps, revenir en arrière et explorer d'autres lignes temporelles pour relever les défis, sinon insurmontables. Et là, franchement, on l'a vu hein, à plusieurs reprises, les moments où les personnages sont figés comme ça, où ça repart vite et tout. Mais quelle élégance, quel style. Franchement, j'en suis toujours parmi. Hein. Et vraiment, c'est là où on se rend compte que lorsque les développeurs, alors ça prend toujours un petit peu de temps, bien sûr, hein, mais maîtriseront cette nouvelle génération, lorsque l'Unreal Engine 5, entre autres, mais c'est vrai qu'il revient quand même souvent en tête de liste, hein, va permettre de débloquer créativité et technicité, je pense qu'on va se prendre des mandales furieuses. Parce que, en fait, ce Chrono Odyssey, il mélange plein d'inspirations. Il y a du Monster Hunter, assurément. Il y a du Final Fantasy, indubitablement. Il y a un petit peu d'Elden Ring aussi. Hein. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu de From, quelque part, dans l'absolu. Alors, au niveau du gameplay, je vous l'ai dit, hein, il s'agit d'un MMORPG. Donc on est sur du multijoueur, massivement, en ligne, etc. Et il y aura eh bien, une sélection de 6 classes de personnages. Alors évidemment, elles sont toutes spécifiques, avec des attributs dédiés. Il y a une personnalisation aussi des apparences qui a l'air d'être assez étoffée. Et on retrouvera donc dans les 6 classes, la classe épéiste, ranger, sorcier, paladin, berserker et assassin. Alors là, on le voit, hein. Par exemple, hein, ces moments-là où ça fige le temps, où ça évolue après, où ça accélère, où les personnes... Voilà, super classe. Après, j'ai hâte de voir comment dans un MMO, bah, qu'un individu puisse jouer avec le temps, comment ça va impacter bah, les autres joueurs. Parce que forcément, les choses doivent être synchronisées. Donc comment est-ce que ça va être instancié, etc. Bon, bah, tout cela, ça reste à voir. Et d'ailleurs, de vous à moi, il reste quand même beaucoup de choses à savoir. On ne connaît toujours pas la date de sortie, même pas un hypothétique fin 2023 ou 2024. Alors, est-ce que c'est plus loin? Est-ce que c'est moins loin? On ne sait pas. Et quand même, attention aussi. Vous l'aurez noté, ces derniers temps, il y a beaucoup de très très beaux projets hein, qui sont dévoilés comme ça avec des trailers que je trouve absolument retentissants. Je pense par exemple à Black Myth Wukong qui a fait sensation il y a quelques temps de cela. Je pense aussi à Lost to the Side, mais il y en a plein d'autres. Et je vous en avais fréquemment parlé sur la chaîne. C'est souvent des projets qui viennent de Chine, de Corée, etc. Et souvent, en fait, faut pas se leurrer, hein, ces projets, en fait, ils sont là pour attirer des investisseurs. Pour faire en sorte que, là, en l'occurrence, Npixel, peut-être puisse boucler son développement, etc. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est aussi fréquemment le cas. Il y a parfois aussi des cas où les jeux disparaissent totalement dans la pampa. On n'en entend plus parler pendant des mois, pendant des années. Vous en avez forcément en tête aussi, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces images, elles montrent un projet qui, un, a l'air d'être quand même relativement bien avancé, ensuite, qui est extraordinairement ambitieux, franchement, un MMO avec ce style de visuel, c'est tout simplement du jamais vu. Et donc, si c'est vraiment comme ça, ok. Un Final Fantasy XIV, un World of Warcraft, etc. vont se faire, mais balayer, techniquement parlant du moins. Et c'est vrai que là, quand tu vois ce genre de visuel, si c'est vraiment comme ça, si on peut vraiment partir à l'aventure avec ses potes dans ce genre d'univers, oh, non mais regardez, la DA, elle est
ma boulissime. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a retourné la tête dès que je l'ai aperçu. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle, et vous le savez, hein, sur la chaîne, dès que je découvre des petites pépites, des jeux qui sortent du lot, bah, c'est un grand plaisir que de pouvoir vous les présenter. Donc, eh bah, forcément, moi, je le mets dans ma liste des jeux à suivre fortement, histoire bah, de voir où est-ce que tout cela nous mènera. Faudra voir aussi si l'histoire sera au rendez-vous, intéressante. Dans les MMORPG, c'est parfois un peu en filigrane, etc. Mais ça s'était pas mal amélioré ces dernières années, dans Final Fantasy XIV par exemple. Donc j'espère qu'il en sera ici de même. En tout cas, je vous redonne le nom, Chrono Odyssey, prévu à une date totalement indéterminée sur PC, sur PS5, sur Xbox Series, et vraiment... Le studio coréen N-Pixel a l'air de s'être transcendé véritablement. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui. Bah à vous de me dire un petit peu, votre tête elle est comment? La mâchoire ça va? Vous avez pas trop besoin de la ramasser? Parce que là, quelle claque! Et c'est vrai que l'Unreal Engine 5, les promesses du moins, sont complètement cosmiques. En tout cas, si cette émission vous a plu, bah vous connaissez le système. Le pape, le PAP! Le partage de cette émission sur vos réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et je vous retweet de temps en temps. L'abonnement, pour être sûr de ne rien manquer des futures vidéos qui débarquent sur la chaîne, qui peuvent débarquer d'ailleurs à tout moment. Et d'ailleurs, le petit pouce vers le haut, je vous dis à tout moment, puisque cette nuit, hein, là, celle qui vient de s'écouler, à minuit jusqu'à 2h du matin, on était ensemble en direct pour découvrir Hogwarts Legacy, mais cette fois-ci sur PS4. Alors, ça vaut quoi? Eh ben, n'hésitez pas à aller voir, ça vaut le détour. Allez, à très bientôt les amis, mais d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao. Quelle claque. Quelle claque.